Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on coupe la céramique. Voici les quatre méthodes qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser un coupe-carreau, une scie à eau, une meuleuse électrique ou comme on l'appelle un grinder. Et finalement, je vais vous montrer comment faire des ronds parfaits pour passer des tuyaux. Pour commencer, on va utiliser un coupe-carreau qu'on appelle aussi une carrelette. Ici, j'en ai deux grosseurs. J'ai une petite carrelette ou un petit coupe-carreau qu'on peut utiliser pour couper de la petite céramique. Pour de la plus grosse céramique, je vous conseille de prendre un plus gros coupe-carreau qu'on peut trouver dans un centre de location ou aussi qu'on peut acheter. Avec ces deux outils-là, on peut couper de la céramique, mais on ne peut pas couper de la pierre comme du granit ou du marbre. On va commencer par faire une marque de crayon où on veut notre coupe. Moi, je veux avoir une céramique de 5 pouces. Donc, je vais faire une marque au complet. Ça, ça va m'aider à savoir si ma coupe va être droite. Ensuite, je prends ma céramique. Je la place dans mon coupe-carreau. Et je m'assure que ma ligne, que ma roulette soit exactement sur ma ligne partout. Et ensuite, je vais faire un trait. Tranquillement, on n'a pas besoin de peser fort. Il faut bien faire les coins. On peut passer plusieurs fois. Une fois qu'on a fait notre trait, on va utiliser le pied au bout de du coupe céramique, pas dans le milieu, et on va faire des petites pressions comme ça. Et voilà. Maintenant, on va couper avec une scie à eau. On utilise une scie à eau pour couper, bien sûr, de la céramique, mais aussi du granit, du marbre ou n'importe quelle pierre. Ou même des fois, il y a du métal dans les dosserets maintenant, comme ici. Donc, on va utiliser une scie à eau pour couper ce type de matériaux-là. On utilise une scie à eau exactement comme on utilise un banc de scie. On va placer notre céramique ici et on va pousser tranquillement la céramique vers la lame. C'est important de ne pas la pousser trop vite parce qu'on veut que l'eau lubrifie la lame tout au long de la coupe. Et c'est bien important d'avoir assez d'eau dans notre bassin et que notre pompe soit bien placée pour pas qu'on manque d'eau durant la coupe. Et voilà! Une belle coupe parfaite faite avec une scie à eau. Autre façon de couper de la céramique, on peut prendre une meuleuse électrique ou un grinder. C'est très pratique pour faire des coupes irrégulières. On peut aussi prendre une pince coupante pour carreaux de céramique. Moi, j'aime pas ça, je trouve ça vraiment moins précis. Si la coupe qu'on veut faire avec la meuleuse électrique, elle est visible, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'abîmer notre céramique? C'est de mettre du gros tape tout le long de notre coupe, comme ça ici. Ça va éviter d'abîmer notre céramique lors de la coupe. On va commencer par marquer la pièce qu'on a besoin de couper sur notre céramique. Alors moi, j'ai besoin de couper 4 pouces par 3 pouces dans le coin de cette céramique-là. Parce qu'en fait, j'arrive dans le coin de ma pièce proche de la porte. Donc voici la pièce que j'ai besoin d'enlever. Première étape, on va prendre notre meuleuse électrique et on va venir faire une trace tout le long. Comme ça, c'est comme la première marque qu'on va faire. Ça va éviter de trop maganer notre céramique quand on va la couper. Ça irait mieux si je la branchais. Une fois que j'ai fait ma première marque de précision, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit angle vers le côté qu'on ne veut pas de la céramique. Comme ça va éviter d'abîmer le côté qu'on veut garder.
Et on va couper tranquillement, en va-et-vient, jusqu'à temps que la céramique soit percée au complet. Une fois qu'on a enlevé notre morceau, il nous reste un petit coin ici. Donc on va servir de la meuleuse pour pouvoir venir enlever le morceau au complet. Et voilà! Finalement, la quatrième et la dernière technique que je vais vous montrer, c'est exemple si on a un tuyau qui sort du mur, on veut une belle coupe parfaite autour, on peut utiliser une scie en porte-pièce en disque de diamant. Ça vient avec un guide comme ça ici. Si on n'en a pas ou on l'a perdu, on pourrait toujours faire un guide en bois avec exactement le même diamètre que notre scie en porte-pièce. On va venir, il y en a qui viennent avec des petits collants comme ça ici, pour que ça ne bouge pas. On peut le coller ici comme ça en dessous. Ensuite, on vient mettre notre guide sur notre céramique. On n'a pas besoin de la faire tourner très très vite. On peut la mettre au plus lent. Et ensuite, on va venir juste commencer à percer, seulement pour faire la marque. On n'a pas besoin d'aller très très profond, on veut juste faire une belle marque. Une fois qu'on a fait notre marque, on peut enlever notre guide. Ensuite, on peut utiliser une éponge pour garder la pièce lubrifiée en tout temps. Il y en a qui prennent un petit bout d'éponge comme ça et qui viennent le mettre à l'intérieur comme ça ici. Et quand on coupe, l'eau sort tranquillement puis ça garde la pièce lubrifiée. Ensuite, on continue en mettant de l'eau. On rajoute de l'eau tranquillement. On n'appuie pas trop fort, on laisse la scie en porte-pièce travailler. Voilà le travail! Un trou parfait dans lequel on peut passer notre tuyau. Je peux vous donner un conseil en finissant. Coupez à l'extérieur parce que ça fait vraiment beaucoup de poussière. Sur ce, bonne réno!